Salut tout le monde, c'est Halloween, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur Smite France et on se retrouve pour découvrir le nouveau dieu, Kyron, sur le PTS. Donc toujours le serveur test de Smite, vous permettant d'essayer les dieux. Donc pour, comme ce que j'ai fait la dernière fois, je vais continuer à vous le montrer en jungle en fait. Tout simplement, jungle map. On va prendre 3 levels pour commencer. Hop, et... Oh, allez, on va aller jusqu'au niveau 5. Bon, j'ai bien le niveau 5. Hop, voilà. Et puis on va voir du coup tout de suite ses habilités ensemble. Donc ce passif de Kyron en fait c'est assez simple. Il ramasse des herbes. Alors petit détail, les herbes sont... alors est-ce qu'on peut voir ma flèche? Oui. Juste ici, vous voyez. Donc là ça brille, c'est parce que mon passif... Vous avez trois feuilles de cataplasme, ils appellent ça. Mon passif est plein. Alors en quoi consiste mon passif? En fait dès que vous allez utiliser une compétence, ça va soigner soit vous ou l'allié avec le moins de points de vie le plus proche de vous. Donc à 30 pieds ils estiment, donc 30 pieds. Là forcément si on voit, voilà, 30 pieds c'est là, vous voyez. Voilà, donc c'est assez proche hein, quand même. Mais dès que vous utilisez une compétence, utilisez un cataplasme sur les 3 et ça soigne votre votre allié. Donc ça le soigne de combien? Voilà, donc de 50 plus 4 par niveau pendant 5 secondes. Donc ça soigne soit 50, donc après 4 par niveau plus 4 par niveau, donc on va l'avoir jusqu'à 20 niveaux. 2 x 4, 8, ça fait 80, ça peut soigner donc jusqu'à 120. 130. C'est mieux 130. Apprends à faire des maths avec c'est à la weed. Bref. Donc vous pouvez soigner jusqu'à 120, 130, pardon, votre allié ou vous-même. Donc c'est un petit soin, c'est pas énorme. Surtout en late game. En début de game, par contre, ça peut être relativement sympa. Son 1 que vous avez ici. Donc c'est une zone que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, hein, après tout. Voilà. C'est une zone comme celle-ci. Ouais, vous la lancez, ça fait un beau cheval, c'est magnifique. C'est une zone qui va faire des dégâts et qui, en plus, a priori, sur ce que je lis là, mais j'ai pas pu l'essayer en vrai, ça purifie. Vous voyez, purifie un peu comme elle, en fait. Donc, du coup, est-ce que ça enlève, par exemple, l'ulti d'arrêt, est-ce que ça enlève les frises d'Ymir? À voir in-game, j'ai pas eu le temps de le voir sur le test de Smite, quand ils ont présenté le patch note. Mais voilà, ça me donne cette impression-là, avoir une game par la suite. Donc cette game-là, vous pourrez peut-être la découvrir, notamment avec Dorgen sur une prochaine vidéo. Le 2, qui est ici, en fait, c'est un... Avec vos auto-attaques, vous allez marquer une cible. Voilà, donc je vais essayer de vous le montrer tout de suite. Donc là, vous voyez que le 2, comme Abilix, vous pouvez pas le lancer, parce que vous avez touché personne. Dès que vous touchez, voilà, le 2 se débloque. Là, j'ai mis les cibles sur tout le monde. Je fais le 2, et ça touche forcément les 3 cibles. Au passage, vous voyez les soins que j'ai. Plus 11, plus 11, plus 11, plus 11. Voilà. Donc ça, c'est les soins que j'ai grâce à l'activation de la compétence. Donc ça se fait ça, et en plus, ça slow. Hein. Donc c'est cool. C'est bien, bien cool. Voilà, vous voyez, jusqu'à 35% au niveau 5. Donc c'est plutôt bien. Au passage, ça réduit la protection physique quand vous avez une cible sur un dieu adverse. Hein. Donc ça, c'est bon. Ensuite, le 3, eh ben, c'est la cavalerie. Attention. Wouhou! Voilà, il court comme un foufou, il donne des coups de sabot s'il croise un dieu. Vous pouvez, pendant le 3, continuer à faire vos auto-attaques et enchaîner avec d'autres compétences. Enfin, le 4, hop, on se transforme, vous voyez, en constellation. Et en fait, vous avez 3 tirs. Voilà, 3 tirs comme ça. Ces 3 tirs vous permettent, en fait, de tirer à travers les murs. Voilà, surtout à travers les murs. Ça fait bien mal. Autre avantage, c'est si jamais vous mourrez pendant votre ulti et que vous tuez quelqu'un avec votre ulti, vous n'allez pas mourir, vous allez vous régénérer avec autant de points de vie que vous avez infligé de dégâts à l'adversaire. Donc ça peut être intéressant, une game. A voir. A voir, à voir. Donc ça, c'est son skin de base. Vous avez un recolor où, en fait, en gros, je vais vous le mettre en image au-dessus de moi, je pense. Où, en fait, il est un peu plus jeune. Voilà. Donc on va le monter niveau 20. Allez, c'est parti. Tac. Toujours la même technique. Allez. Hop, voilà, 20. On monte toutes ses compétences à fond. Au niveau des builds, vu que c'est un ADC, actuellement, il n'y a pas de grande nouveauté sur les ADC. On a toujours les bobottes de dégâts, c'est évident. Au niveau de drain de vie, on part toujours sur le dévoreur d'âme. 300 points de vie, 20, voilà, c'est celui qui est le plus optimisé, je trouve, actuellement.
Qu'est-ce sur quoi d'autre on pourrait partir? Light cheval peut-être pour un début de game, ça peut être intéressant. Sinon un exécuteur, voilà, on va partir sur l'art javel et l'exécuteur, ça me paraît plutôt bien. Exécuteur là. Et puis comme d'habitude, on termine par des coups critiques. Hop, d'abord la rage, puis le condamneur. Au niveau des actifs, hein, c'est toujours la même chose sur les ADC, hein, vous allez prendre soit la Blitz avec un sprint ou des choses comme ceci. Hein. Alors voyons voir en auto-attaque ce que ça donne. Ok, ça tape plutôt correct, hein, vous voyez. Donc maintenant le Odin, on va lui faire le 2. Et ça fait 372 le 2. Ah oui, donc si vous touchez tout le monde, c'est plutôt pas mal. Le 3. J'ai pas eu le temps de voir, pas grave. Et le 1. 456, ok. Ouais, c'est quand même relativement violent. Ah ouais, c'est bien. Et l'ulti du coup, 456, 456, ok. Donc en fait, si vous touchez, avec le build que j'ai pris, après les builds c'est chacun son choix. Si vous touchez votre adversaire, vous lui mettez 1200 avec l'ulti quand même. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, je valide, je valide. Allez, on va aller voir sur Ra comme d'habitude. Ce que ça donne. Attention, on va le charger en même temps. Vous voyez, on peut tirer en même temps. Ok, très bien. On n'a rien vu grâce à Ra. Merci Ra. C'est gentil, on n'a rien vu. Alors regardez, je suis un peu blessé. Je vais lancer mon soin. Voilà, plus 26. Plus 26. Ah, plus 6. Oui, parce que j'avais pas perdu assez de points de vie. Alors Ra, fais un effort, s'il te plaît, pour que je perde un peu plus de vie. Allez. Allez. Ok, donc là j'ai mes 3 cataplasmes, on lance et on va voir combien je me régène. 26, 26, 26, 26, 26. Ok, donc 5 fois 26, donc c'est ce qu'on avait calculé à peu près ensemble. Ok, c'est pas mal du tout. Et ben ce dieu me plaît plutôt bien, faudra que j'essaye une game sur une prochaine vidéo, peut-être sur ma chaîne ou celle de Smite France, on verra. Mais ça m'a l'air plutôt sympa à faire. Voyons voir son bac, on l'a pas vu. Ok, il s'incline. Et ben je vous incline également. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ciao!